Bolanda émission à Bino, Tour de la Congo, la Média Plus. Présentée par votre humble servante, Karine Vili, la patronne. Côté Bandeko Batali, à Media Plus, na compte émission na bino to lobela Congo, lelo to ye kota Sabino, spécial santé, le lenge to lobaka na Lingala, spécial bokolongo no bonzoto, soki to lobi spécial bokolongo no bonzoto pambate, to kimimbangu na ministère ya santé et pa ya monganga eteni longondo, mikolo yo kombo na ye na internet, ba video makambo ebele bele eza kolobama, kasi to kota li sanabino pambate. Lokuta eyaka mbangu 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 na sincère vérité eyaka malembe malembe na escalier totalisa bino pamba te kombo na ye eza kokende na ndenge ya mabe na badongolo misu bayimboka bayibalingi vraiment monganga eteni longondo asala musala lolenge elongo banite batie ba peau de banane ndenge na yesaki bino na émission eleki ete na bi santé ya Congo ekomi politisé na ndenge ya kusakana te ba fiti ba ebalingi monganga eteni asala musala na ye malamu malamu te baza kotia mwa ba nungu nungu kokweisa kosala makambo ete akwea me aza ya nkolo akosala musala oyo mokonzi beton atiaki ye na esika wana pamba te azali monganga ya solo atanga ba kelasi na ye ya kimonganga toyeli bino mokolo ya lelo lobi bayi collectif ya ba médecin congolais comme un sigle ba kenda ki epa ya monganga eteni longondo ayambaki bango kuna na bureau na ye ya musala pamba te ba meka kosala mwa évaluation muke na maimatali bongo maima koloba ma na internet salor ngai na koloba ebele te po bayimboka wana à travers coordonnateur na bango ba pesaki maloba tokoti kabino bolanda. Moi, c'est le docteur Dochi Bangou, le coordonnateur national du collectif de médecins congolais pour le changement Comme Cancer. Ce n'est pas pour une marche. Nous sommes venus ici échanger avec le numéro 1 de la santé, Excellence docteur Eteni Longondo. Question de nous imprégner sur l'évolution du dossier prime des risques et l'actualité politico-sanitaire. Nous avons vu des confrères manifester, étant un collectif de médecins congolais qui œuvre pour le changement des mentalités, nous sommes venus voir l'excellence. Question de savoir à quel niveau les dossiers étaient bloqués, parce que selon les informations que nous avons eues, au niveau du ministère de la Santé, tout a déjà été fait. Il y a une liste de 7000 médecins qui a été cristallisée et programmée, et malheureusement, les confrères n'étaient pas encore alignés. Alors, par rapport à tout ce qui circulait sur les réseaux sociaux, nous nous sommes dit qu'il est plus qu'important de venir à la source pour avoir la bonne information. Nous sommes vraiment rassurés. L'excellence nous a présenté la situation. Il a été prévu qu'on devait aligner 1500 médecins pour le troisième trimestre, mais il s'est fait que les circonstances socio-économiques mondiales dues à la Covid a perturbé le fonctionnement et a perturbé la mobilisation des recettes et l'État congolais n'est pas en mesure de mobiliser les fonds pour payer les 1500. Le gouvernement a proposé qu'on puisse d'abord payer 800 et au mois d'octobre, on pourra payer encore un autre lot de 800. C'est ainsi que nous tenons à encourager l'excellence pour le travail qu'il a fait et demander aussi aux confrères qu'ils puissent aller dans le sens d'aider le ministère de la Santé à accomplir son travail. Nous tenons aussi à lancer un appel au Premier ministre, qui est l'ordonnancier, et le chef du gouvernement, qui puisse tenir en compte les réclamations des confrères, afin qu'on ne puisse pas s'arrêter seulement au niveau de 800, qu'on puisse encore essayer de voir si c'est possible qu'on puisse défalquer
l'argent qui était prévu pour d'autres secteurs et le focaliser au niveau du secteur de la santé parce que nous sommes dans un état d'urgence sanitaire. La santé étant une priorité pour le moment, nous demandons au Premier ministre qu'on puisse avoir un œil regardant et augmenter le nombre à aligner pour le trimestre prochain. Effectivement, le collectif des médecins congolais pour le changement, comme un grand cycle, est de cœur avec tous les confrères qui sont en train de réclamer leurs droits. Nous les appuyons, mais nous leur demandons que cela se fasse dans la discipline et le respect de la déontologie médicale. Solo bo utaki bongo ko landa masolo na bango basolo laki na monganga iteni longondo kasi mokolo ya lelo samedi bayi komek bango pe lisusu balobite tokokaki kotika boyete pambate après ko solo lana iteni longondo bazwaki vraiment ba vérité ya malunga na makambo oyo eza koleka lelo Amelia Kalala akendaki kuna kozwa mwa déclaration na bango bakanaki ete baloba pamba te na utaki koloba na bino ete santé eza politisé bango moko batemoigné ete na bané passé na bambula oyo utaki koleka baminganga makambu ebele ekotaka ba fictif eza na kati ya nini ya ba liste na bango basalaka mena ngolu ndenge bango moko bauti koloba qui a quand même chance ya kozwa monganga iteni longondo a aligné ti ba 6000 médecins eza pambati ba moni yango bango moko balobi ki eza politisé alors amene kalala azala ki wana bolanda élément oyo à travers moninga na biso oyo azala ki lelo na ministère de santé et puis tokozonga. Bote balandi nyonso ya Media Plus Television boye malamu na emission na bino bofongola matoyi pe boyoka awa tozali na Gombe liboso ya immeuble intelligent et pas yuapi baminganga nyonso basangani bomoko pona kolakisa ete bazali elongo na ministre ya santé Eteni Longondo bolanda na bililingi na biso.
sur la situation de la prime de risque de médecins. Le collectif de médecins congolais a suivi et continue de suivre l'évolution du dossier de la prime de risque en faveur du personnel médical et de médecins en particulier. Cette situation nous touche profondément car derrière chaque médecin, il y a une famille, il y a tout un peuple. Le collectif de médecins congolais compatit avec tous les confrères et consoeurs médecins de la République démocratique du Congo qui traversent depuis un long moment cette situation difficile grevée dans un contexte mondial particulier. En effet, nul n'ignore que les économies de la plupart des pays du monde entier sont fortement touchées à cause de la pandémie de la COVID-19 paralysant et bouleversant les provisions sociales. Malheureusement, notre pays n'en est épargné. Cependant, cette situation inédite, nous avons vu les efforts à travers les ateliers multiples qui ont abouti à l'élaboration d'une liste cristallisée et programmée de 6000 médecins imprimés en 4 paliers. Ainsi, au regard de la situation mondiale et l'évolution du dossier de la prime, le collectif de médecins congolais s'insurge contre toute manipulation à des fins politiques afin de retarder et torpiller à nouveau la mécanisation de médecins. Le collectif de médecins congolais rappelle à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'il fut une époque où, pour voir son nom être aligné sur la prime de risque, il fallait faire partie d'une famille où il fallait avoir une connaissance d'une ou d'autre part, cela qui favorisait une rétrocommission allant jusqu'à 4 mensualités du montant de la prime du médecin. Ce système qui a longtemps perduré et paralysé la psychologie du jeune médecin congolais ne doit plus revenir. Car nous savons que plusieurs dans l'administration de la République démocratique du Congo ont survécu à cause de cette médiocrité pour qui il faisait comme fonds de commerce. Mais aujourd'hui, nous avons retrouvé qu'il y a amélioration du système, surtout avec la bonne volonté manifestée par l'actuel ministre de la Santé, allant jusqu'à l'élaboration de l'alignement d'une liste objective de plus de 6000 médecins respectant les critères établi par tous. N'avons-nous pas vécu dans ce pays, il y a eu des omis et des infiltrés qui étaient classés sur la liste, n'étant même pas au pays? Dieu merci, dames et messieurs. Le collectif de médecins congolais, tout en dénonçant avec la dernière énergie la politisation de la prime de risque de médecins, demande solennellement à son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, conducteur de la politique de la nation, de veiller à ce que les responsabilités et le rôle de tout un chacun soient établis. Car, le savons-nous, le ministre de la Santé élabore les listes, la paye est assurée par le ministère de Budget ainsi que ses deux finances. Le collectif de médecins congolais demande encore une fois au Premier ministre de trouver une solution adéquate et pérenne afin de permettre que le médecin congolais survienne à ses besoins. Ainsi, il est de la responsabilité du chef du gouvernement de se pencher rapidement sur cette affaire et de ne plus entretenir le silence car le médecin congolais en souffre. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le collectif de médecins congolais, j'ai dit. C'est Mukanda Nabiso et pas ministre Oyatali Bukongono Banzoto, son Excellence Docteur Eteni. Tobi qui a comparé Vango et pas Premier ministre Naye, Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Toye, juste pour Nako, la qui sait que docteur, il y a Congo Mobimba, Bazo Lela, Loko la papa, Tobi qui
à Koyoka. Sur place, d'après toutes les informations de notre possession, et l'accès miso que problème, blocage, c'est ça une voie ministère et bidier. Parce qu'il y a un lobby qui est assis à Tindi liste. C'est pourquoi Biso Toye, Tozo Senga, na oyazo kumba gouvernement na biso Sylvestre Ilunga Ilunkamba tozo ibisai ke a comprendre que ba médecin toza na ba posa ebele ba toye kolobela ba médecin Congo mobimba ba médecin tozo kemba ba médecin tozo sala musala makasi tozo servir mboka ba médecin toza ba héros surtout pendant période obi combien ba profession na biso ba kufi ba tunyoso ba kufi na na ko supporter famille na bango donc que le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a comprendre qu'il faut appeler sa injonction sur le ministre Naye Abidie, Naye Finance, a comprendre qu'il faut ba futa ba minganga, denge bazo futa ba magistrat, ba secteur moussoussou. En tout cas, et zango. Mais tozo profiter pour na koebisa bandeko na biso ba confrère Nyonso, Congo Mobimba ke bandeko. Kofinga Moutouté, un médecin c'était monsieur, un médecin c'était un honorable, un médecin c'est au-delà. Parce que après Dieu c'est le médecin, ça il faut qu'on se dise. On dit la santé n'a pas de prix. Les garants de la santé c'est nous, mais nous souffrons. Nous demandons, Tozo Yebsa, Bakonzi Yamboka, que va comprendre qu'il faut impulser tout ce qu'il faut pour Baminganga, Bafutama. To finga mututé, to bwa kalima bangate, to lala libandate, mais en toute loyauté. C'est d'abord par retracer l'historique en rapport avec les paiements des primes des médecins, ce qui s'est passé comme antivaleur. Et vous avez aussi, dans les développements, expliqué ce que le ministre de la Santé actuel a fait pour lutter contre ces antivaleurs et aussi faire en sorte que le social des médecins puisse être vraiment retrouvé, redoré, en alignant par trimestre un certain nombre de médecins. Il est vrai que, comme vous l'aviez dit à votre introduction, que la situation actuelle avec les financements, avec la situation économique actuelle, n'a pas permis à ce que la vision de son Excellence le ministre de la Santé puisse être vraiment reproduite par rapport à l'alignement des médecins. Mais qu'à cela ne tienne, un effort particulier a été fait pour que nous puissions déjà commencé à aligner dès le mois de juillet 800 médecins pour qu'ils puissent toucher leurs primes. Et nous avons discuté aussi hier avec certains des manifestants qui font partie des collectifs des médecins, des syndicats, pour leur dire que dès la semaine prochaine, on va commencer à retravailler encore pour l'alignement des autres trimestres. Mais il est vrai, il y a déjà une liste qui cristallise le nombre de médecins qui doivent être primés par rapport à chaque trimestre. Et ça, ce sont des efforts que nous ne pouvons faire. Nous, au niveau du ministère de la Santé, ce qu'on peut faire, c'est la planification par rapport au nombre de médecins à aligner. Mais maintenant, on va envoyer ça au niveau de la chaîne des dépenses, en commençant par le ministère du budget et le ministère des finances pour la liquidation des dépenses. Mais tout cela doit se faire conformément aux disponibilités des ressources disponibles. Si les ressources permettent à ce qu'on puisse aligner 1500 par trimestre, on va les faire. Si les ressources ne permettent pas, on va nous communiquer le nombre de personnes qui seront alignées et nous, à leur tour, à notre tour, on va communiquer avec les collectifs et les syndicats des médecins pour leur dire que selon la disponibilité actuelle, voici le nombre de médecins qui seront alignés pour le paiement des primes. Donc c'est une situation qui tient vraiment à cœur le ministre de la Santé parce que dans son mandat, dans sa vision, il voulait vraiment, au-delà
des autres actions prioritaires, c'était de mettre un accent sur la rationalisation des ressources humaines au niveau du ministère de la Santé. Et ça, c'est déjà en cours. C'est quelque chose qu'on peut vraiment qu'on peut saluer comme étant des efforts de sa part pour permettre à ce que la situation sociale des médecins puisse être améliorée. Mais au-delà des médecins, on a mis aussi un accent sur les autres corporations. On a travaillé aussi et on a déjà envoyé la liste pour ce qui concerne les infirmiers aussi. C'est déjà envoyé au niveau du budget. On est en train aussi de discuter, de travailler pour les autres corporations, les licenciés qui travaillent aussi avec nous. On a eu aussi une réunion avec eux pour permettre à ce que tous les personnels qui sont impliqués par rapport à la santé de la population puissent vraiment bénéficier des primes pour permettre à ce qu'ils puissent faire leur travail dans les bonnes conditions. Donc voilà les actions qu'on est en train de mener pendant que nous sommes là. Il y a des actions pas ciblées seulement avec les médecins, c'est aussi avec les infirmiers et avec les autres administratifs avec qui on travaille dans les systèmes de santé. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Nous saluons votre démarche dans la mesure où vous venez donner une autre information par rapport à ce qui s'est fait. Et soyez-en sûr que nous y travaillons pour que la situation de tous les personnels médicaux, que ce soit les infirmiers, les médecins et les autres administratifs, puisse être redorée. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci. Nous avons reçu les mémos et nous allons les transmettre à la hiérarchie, à l'autorité, pour qu'ils voient ce que vous avez proposé. Et sur base de ça, on va continuer toujours à travailler pour le bien-être de notre population et en mettant vraiment un accent sur la revalorisation des ressources humaines qui sont dans le secteur de la santé. Et cette revalorisation, ce n'est pas seulement les médecins, comme je l'ai si bien dit au-dessus, il y a aussi les infirmiers et les administratifs qu'on tient en compte dans le cadre de notre action pendant que nous sommes ici au niveau du ministère de la Santé. Donc merci beaucoup pour cette initiative. Je pense que prochainement, on pourra encore se voir pour qu'on vous fasse le point sur tout ce qu'on est en train de faire en rapport avec l'amélioration des conditions sociales des prestataires de soins au niveau des structures sanitaires. Merci beaucoup. Ndenge bauti kolanda na bililingi na biso ezalaki bongo collectif ya ba minganga oyo basilaki bongo koya pona ko revendiquer ba droit na bango na ministère ya santé ba tini bongo na kopesa memo na bango na maboko ya directeur ya cabinet ya ministre Teni Longondo na kombo ya docteur Saint-Forien mwana mundele asili bongo na kozwa memo na bango pe ya laki bango ke mbala ya sima ba kokoba na kosala nyonso pote ba minganga ya ekolo mobimba ya Kinshasa ba koba na kose Matondi mingi na balandi na biso nyonso ya Media Plus Télévision. Restez toujours branchés na chaîne na bino bolingaka mingi pour plus d'informations pe d'actualité. Ya solo na banzi ete bomoni musala oyo Amelia Kalala akenda ki kosala elongo na Mike Maseme baimboka baye bozwaka vraiment libaku ya kotala biso na lingi ko yebisa na bayi abone na biso bo sabone boza ebele ebele memba video na biso nombre ya babone oboza na soki botali ba vie ko zavira biso ebele me boza mwa malili nde na bela ki bino lobi bola mukabola mukabola mukababone ya Media Plus Television to koyebisa na ba minganga oyo bazali intoxiqué
bayi politique ba kotisi bino politique na kati ya musala na bino bokomi koyemba na banzela neti ba chege stolobite ke ba chege me munganga ba o ba bengi na ndene na lopoto médecin. Donc aza mutu moko oyo akoki koyemba na balabala. J'espère que vous comprendre message ndenge leki munganga koki koyemba bongo na balabala te. Munganga koki ko ganga lolenge to moni ba oyo ba gangi na nzela te. Toyebi ke politique eza nango na kati koti na santé, mais eteni longondo akokoba kosala musala oyo peuple tope mokonzi ya mboka anomaki ayebiki asalaki kelasi na ye ya munganga. Baimboka tokutani bongo mbala ya sima. Diezon lelo a bendinga bilili na sima ya kamera. Tomoni giver aye kwa assiste biso lisusu a limwaki baimboka a zongi lisusu awa. Oya banda ko filme biso meto yebite akenda yo wapi. Ye moko tango aya lisusu na sima kamera ako expliquer biso na koyebisa bino akenda ki pona nini. Ousmane Azali wana za kokotye toujours Amelia Kala la paix ba imboka ba nyoso bozoka libaku ya kolanda spécial bokolongolo banzoto na Media Plus Television na compte émission na bino tolobela Congo topesi ba mbote na bino bipai bozomi papa Sylvain topesi yo mbote elongo na libota mobimba mama Bea mbote na yo iko de mama ba imboka losako ba mokulaka nyoso tokutani bongo palesima. Présentée par votre humble servante, Karine Vili, la patronne.